Bonsoir, le flash de ce dimanche. Le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'avec les ressources financières limitées dont il dispose, il ne serait pas en mesure d'aider les agriculteurs non enregistrés avec une subvention pour le moment, qui sont confrontés à des difficultés en raison d'une augmentation du prix des aliments pour animaux. Le secrétaire principal à l'agriculture, Antoine-Marie Moustache, a déclaré que pour le moment, seuls les agriculteurs inscrits bénéficient de ce régime. Il a déclaré que les autorités n'avaient pas encore mené d'enquête pour déterminer le niveau de production de bétail des personnes qui élèvent des animaux chez eux. Monsieur Moustache dit que la crise est causée par la pandémie de COVID-19. Joëlle Perrot est la nouvelle vice-chancelière de l'UNICE. Mademoiselle Perrot a déclaré qu'ensemble avec son équipe, elle avait déjà commencé à travailler sur un programme pour amener le service à un niveau supérieure. Elle a dit qu'elle avait vu beaucoup de progrès et que de nombreux Seychellois avaient manifesté leur intérêt à faire partie de l'université. Malgré ces aspects positifs, la vice-chancelière Perrault a déclaré qu'il rencontrait des difficultés avec les fournisseurs de services Internet. La deuxième vague de COVID-19 dans le pays a contraint les écoles à rester fermées pour que les élèves ne manquent pas leurs leçons. Les écoles ont dû créer des salles de classe virtuelles. International School of Seychelles est l'une de ces cas. Les enseignants donnent des cours virtuels qui sont également enregistrés en direct via l'application en ligne Google Meet. Le travail est ensuite échangé entre l'enseignant et les élèves via Google Class. Le directeur adjoint Terence Françoise dit qu'ils ont utilisé la même méthode l'année dernière lorsque les écoles ont dû fermer à cause de la première vague de COVID-19. Il faut une connexion Internet supplémentaire pour être en mesure de suivre cette méthode d'enseignement et d'apprentissage. Pour répondre à cette exigence, RTL a proposé au ministère de l'Éducation des packages personnalisés pour les étudiants et les enseignants. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.